Oh là là, Fred, t'as vu ces pilotes, t'as vu ce qu'ils font un peu? Oh, bah, c'est un avion de chasse, et alors? Bon, et alors, ça doit être drôlement dur, hein? Eh, hey, tu sais que je vais faire mon premier vol là-dessus, moi? Quand ça? Aujourd'hui! Aujourd'hui! Ouais, ouais! C'est allez, ça. Marcel, on va à Tours! Il va voler sur un avion de chasse. Sont formés tous les pilotes de chasse de l'armée de l'air française. Chaque année, il y a environ 60 nouveaux pilotes qui sortent de cette école. Tenez-vous bien, les plus jeunes ont à peine 20 ans. Salut, ça va? Salut, t'es nouveau ici? Ouais, c'est mon premier vol aujourd'hui. T'as combien d'heures alors? Zéro, et toi? Et moi aussi, je suis nouveau, j'en ai à peine 15. Et ben, bonne chance alors. Hein. Ok, merci. Ciao. Pour se former, les pilotes commencent sur ce type d'avion, l'Alpha Jet, qui est d'ailleurs utilisé aussi par la célèbre patrouille de France. Alors l'Alpha Jet, c'est un avion extrêmement maniable. Il permet donc de se former aux acrobaties et à toutes les techniques du combat aérien. Je vous rassure tout de suite, celui-ci n'est pas armé, encore qu'il pourrait l'être. Et pourtant, si j'ose dire, c'est une véritable petite bombe. En un rien de temps, il peut atteindre la vitesse de 900 km/h. Tout cela grâce à ses deux moteurs à réaction placés de chaque côté du fuselage. T'as vu, Jamy? C'est là-dessus que je vais voler. Avant de voler, on va expliquer ce qu'est un avion à réaction. C'est un avion qui avance grâce au principe d'action, réaction, démonstration. Je jette un sac dans une direction, action. J'avance dans la direction opposée, réaction. Alors bien sûr, un avion ne jette pas des sacs. Il expulse de l'air exactement comme un ballon de baudruche. Action, réaction. Et la force qui fait avancer un avion, eh bien, c'est ce qu'on appelle la poussée. Le problème, Jamy, avec ton ballon de baudruche, c'est que lorsqu'il n'y a plus d'air dedans, il ne peut plus voler avec un réacteur. C'est complètement différent, car le principe même du réacteur consiste à aspirer de l'air en permanence à l'avant. Ensuite, ici, on le chauffe et on le comprime. Et à l'arrière, on l'expulse à très grande vitesse. C'est ce qui crée la poussée. Et c'est aussi la raison pour laquelle il ne faut pas rester à côté d'un réacteur lorsqu'il accélère, car là, on peut être aspiré d'un seul coup par l'avant. Évidemment, un réacteur, c'est mieux qu'un ballon de baudruche. Alors, que se passe-t-il à l'intérieur? La même chose que dans ce bocal. On chauffe de l'air. L'air se dilate. Et comme le bocal est refermé, eh bien, la pression augmente. Si maintenant, on fait un petit trou dans la membrane, l'air est expulsé à grande vitesse. Ça, c'est de la théorie. Concrètement, sur un réacteur, l'air est d'abord aspiré par une série d'hélices, le compresseur. L'air entre ensuite dans la chambre de combustion où il va brûler avec du kérosène. Là, les gaz se dilatent et comme le réacteur va en rétrécissant, ces gaz ont du mal à s'échapper. Par conséquent, ils sortent à grande vitesse, c'est ce qui crée la poussée de l'avion. Au passage, ils entraînent une nouvelle hélice, la turbine qui est fixée à un axe, qui entraîne à son tour le compresseur qui aspire de l'air et l'histoire recommence. Sur le Mirage 2000, le système est un peu différent. On a toujours deux entrées d'air à l'avant, une de chaque côté, mais elles convergent vers un seul moteur, un seul réacteur. Venez voir. Vous voyez, je vous le disais, il y a une seule sortie, mais ce réacteur-là a une poussée de 10 tonnes. Et tu vas voir, Jamy, au décollage, il crache le feu. Ça,
Ça, c'est la post-combustion. Les gaz sont chauffés une deuxième fois à l'arrière du réacteur pour être éjectés plus vite, ce qui augmente la poussée de l'avion. Mais ce système consomme plus de 300 litres de carburant à la minute. Donc, le pilote ne l'allume qu'au décollage ou pour accélérer brutalement en vol. Lorsqu'il ne fait pas d'acrobatie, le Mirage 2000 consomme quand même, en moyenne, 60 litres à la minute. Pour les longues missions, il faut donc faire le plein de kérosène en vol grâce à un avion ravitailleur. La manœuvre est délicate et ne réussit pas toujours du premier coup. 1 mètre. Contact. Une fois que les réservoirs sont pleins, l'avion de chasse ralentit légèrement et sa perche se décroche du tuyau. Il se connecte. Allez, au suivant. Je serai en patrouille serrée, survie. Ça y est, la patrouille de Fred est au complet. C'est le commandant Després qui dirige le vol. On l'appelle Titi. Et oui, entre pilotes, on s'appelle par son surnom. Avec Bibi et Nicky, les deux autres pilotes, ils répètent toutes les figures qu'ils vont exécuter en l'air. C'est le briefing. On essaiera d'avoir minimum 140. Ensuite, pour retomber 200 nœuds à la verticale basse. Et oui, pour devenir un chevalier du ciel, il faut avoir un cœur solide, l'estomac pas trop fragile, être ni trop grand ni trop petit et avoir une très bonne vue. Ensuite, il faut passer la sélection. Mais il n'y a pas que les forts en maths qui peuvent devenir pilotes. On peut même passer le concours avec un bac littéraire. Il y a deux façons de devenir pilote de chasse dans l'armée de l'air. Soit en passant un concours après maths spé, qui permet de rentrer à l'école de l'air, soit en faisant une sélection au niveau du baccalauréat, qui permet de rentrer à l'école de pilotage de l'armée de l'air de Cognac. Avant d'arriver ici à l'école de chasse à Tours, ils ont d'abord une formation sur avion à hélice. Mais un avion à hélice, ça vole beaucoup moins vite qu'un avion à réaction. Donc, avant de prendre le manche d'un Alpha Jet, les élèves pilotes s'entraînent sur des simulateurs. Et après seulement 5 vols en duo avec un instructeur, ils sont lâchés tout seuls dans l'avion. Certains ont eu quelques frayeurs. Ça m'est arrivé une ou deux fois de perdre le contrôle de l'appareil, avoir overshooté des limites et partir en vrille presque. Et donc on récupère, on lâche, et ça se récupère tout seul. L'avion se récupère tout seul? Oh bah tu vois mon petit Fred, t'as pas à t'inquiéter. La première chose à faire lorsque l'on s'installe dans un avion de chasse, c'est de bien se brêler, c'est-à-dire de bien se sangler sur le siège, car en cas de gros problème là-haut, eh bien on peut toujours abandonner l'avion en restant assis sur son siège éjectable. Il paraît que ça se produit assez rarement, mais il faut quand même dire qu'il y a moins de 10 pilotes en France qui s'éjectent chaque année. Alors au cas où ça se produit, eh bien il faut être préparé techniquement et psychologiquement. Alors mon adjudant, si je dois m'éjecter pendant mon vol, qu'est-ce que je fais? Un geste à faire, vous tirez la poignée d'éjection. Là-haut, là? Là-haut, celle qui se trouve au-dessus de votre casque. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en tirant cette poignée d'éjection, vous allez mettre en œuvre la mise à feu principale du siège. Un lot de 3 cartouches va vous fournir la poussée de départ. À quelle vitesse on part? 24 mètres secondes instantanée. Bon, alors on fait un entraînement, là? Absolument. Allez. Alors, vous mettez le masque inhalateur. Allez. C'est bon. Bien, je vous baisse la visière. Vous êtes prêts? Oui. Éjection. C'est tout? Oh bah tu parles! C'était bien la peine! Oh là là! Hey, t'es gentil, Javi, mais c'est un entraînement? Je suis dans un hangar! Tu veux pas que j'aille me coller au plafond, non? Et ben voilà, Fred, ce qui t'attend, si par malheur, tu dois vraiment t'éjecter de l'avion. Rassurez-vous, pour ce genre de test, aujourd'hui, on n'utilise que des mannequins. Mais jusque dans les années 60, c'était des parachutistes qui testaient les sièges éjectables. Et les premiers systèmes n'étaient pas parfaitement au point. En 1952, André Allemand a eu les jambes écartelées par la pression de l'air due à la vitesse de l'avion. Heureusement, depuis cet accident, les sièges ont été améliorés. Maintenant, au moment de l'éjection, des sangles rabattent les jambes du pilote sous le siège pour les protéger. Au bout d'une ou deux secondes, le siège se détache et le parachute du pilote s'ouvre automatiquement. Ça, ce n'est pas un test, c'est un vrai crash. Il a eu lieu en 1989 au Salon du Bourget. Le pilote de ce MiG-29 s'en est sorti miraculeusement. Son parachute a eu à peine le temps de s'ouvrir. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Hein. Voilà. C'est celui-là? C'est cet avion. Il est solide? Très. Bon. Pas de problème.
Tu peux nous faire confiance. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Je monte devant et tu montes derrière? Si tu veux monter devant, il faut que tu démarres l'avion. Bon, bah, je te laisse faire. Ouais, c'est plus prudent, Fred. Tu vas en place arrière. C'est la place du navigateur qui accompagne le pilote dans les missions difficiles. Bon courage. Ouais, c'est pas grand, hein. Eh, mais c'est bien, j'ai des manettes, moi aussi, je peux piloter. Casque et tout. Bon, c'est parti. Voilà, on va aller s'installer en bout de piste. Bon, alors il faut préciser quand même que le casque est obligatoire dans un avion de chasse et le masque à oxygène aussi, lui il est indispensable car lorsque l'on vole à très haute altitude aux alentours de 15 000 mètres, nous n'avons pas assez d'air pressurisé dans la cabine, donc il est absolument indispensable. Eh hey Fred, et avec ton masque là, si t'as des petits problèmes de digestion? Ah ouais, c'est simple, dans ce cas-là, il suffit d'enlever le masque à oxygène et de sortir son petit sac. Il faut être équipé, c'est ce qui s'appelle voler avec la tête dans le sac. Enfin, j'espère que j'aurai pas besoin de l'utiliser, on en reparlera plus tard. Et on va décoller en parallèle. Voilà, on va décoller ce qu'on appelle en patrouille serrée, donc on est côte à côte. Ouais. Et là, on va y aller. 3, 2, 1, top. Cap, c'est parti pour le décollage. Donc un décollage qui s'effectue à peu près à 220 km/h. C'est parti, on quitte la piste avec nos petits camarades à côté de nous. Et top pour le train. Rentrée du train d'atterrissage. Bon bah salut Fred, et bon voyage. Alors, comment vole un avion? Eh bien, qu'il soit civil ou militaire, c'est toujours le même principe. En fait, il est aspiré. Exactement comme cette feuille de papier quand je souffle dessus. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, en soufflant sur cette feuille, j'accélère de l'air. Du coup, la pression que cet air exerçait sur la feuille diminue et l'aile est aspirée. Eh bien, c'est exactement le même phénomène qui s'exerce sur une aile d'avion. Alors pour accélérer de l'air au-dessus de l'aile et uniquement au-dessus, on a bombé cette partie. L'air qui passe au-dessus va beaucoup plus vite parce qu'il a plus de chemin à parcourir pour rejoindre l'air qui passe au-dessous. La preuve, regardez les anémomètres, celui-ci va beaucoup plus vite que celui-ci. Maintenant, si on accélère de l'air au-dessus de l'aile, on crée une dépression et avec une dépression, l'aile est aspirée, elle monte. Donc en principe, pour qu'un avion puisse voler, il doit être à l'endroit. Ça, c'est complètement logique. Et pourtant, Jamy, tu vas voir, notre avion à nous, il arrive à voler à l'envers. Regarde, et hop, là. Je comprends pas en principe, la dépression qui est au-dessus de l'aile se retrouve en dessous, donc on devrait être aspiré vers le sol. Et ben non, ça marche. Regarde, on vole à l'envers. Super. Bien sûr, Fred, qu'un avion peut voler sur le dos sans être aspiré vers le sol. Pourquoi? Parce que lorsqu'un avion vole sur le dos, il n'est pas parfaitement à l'horizontale. Il est légèrement incliné. On dit qu'il a une incidence. Et bien, grâce à cette incidence, l'air est dévié ici. Donc, il est accéléré au-dessus de l'aile. L'avion est toujours aspiré. En plus, l'air vient buter ici. On a donc une surpression, ce qui maintient encore plus l'avion. C'est reparti pour une petite série d'acrobaties. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une boucle. Le principe est très simple. On monte. Dans quelques instants, on devrait se retrouver avec la tête en bas. Il faut dire que toutes ces figures, là ça va un peu mieux, ne sont pas de tout repos pour les pilotes, car à chaque fois, ils subissent de fortes accélérations, de telle sorte que le poids de leur corps augmente, et oui, il augmente réellement, c'est pas seulement une impression. Je peux vous dire là par exemple, quand on passe ce virage, j'ai l'impression de peser des tonnes. Oh. Et voilà. Ah voilà, on est fini, on est arrivé. Eh hey Fred, moi aussi j'en fais des acrobaties. Alors pourquoi le poids augmente avec l'accélération? Eh bien le poids d'abord, c'est une force qui est due à l'attraction de la Terre. C'est elle qui fait que lorsque l'on lâche
un objet dans le vide, eh bien, il tombe. Merci, Marcel. Et non seulement il tombe, mais il tombe en accélérant de façon très, très régulière. Chaque seconde, on accélère de 36 km/h. Eh bien, cette accélération, on l'a baptisée G. Et notre poids, eh bien, c'est notre masse, c'est-à-dire la quantité de matière qu'on représente, multipliée par G. Donc, si G augmente, notre poids augmente. Démonstration. Voici un objet. Lorsqu'il subit 1 G, son poids est de 100 grammes. On va maintenant lui faire subir 4 G. Allez, c'est parti. Stop. On suit le curseur. Il est allé jusqu'à 400 grammes. Avec 4 G, son poids a été multiplié par 4. Eh bien, il se passe exactement la même chose dans l'avion de Fred. Voilà, tonneau. Dans un avion comme celui-ci, on peut subir des accélérations qui peuvent aller jusqu'à 7 G. Alors, j'ai fait un petit calcul. Avec mes 70 kilos, ça veut dire que je peux peser pas loin de 500 kilos. T'imagines, 500 kilos. Oh, les tonneaux, c'est sympa, hein. Ok. Et contrairement à ce que l'on pourrait s'imaginer, ce n'est pas lorsque l'avion accélère très vite en ligne droite que l'on subit le plus de G. Bien au contraire, ça se passe en général dans les virages, ces virages que l'on appelle des breaks. Démonstration. Oula. 5. 5. Voilà, 5, 5. 5G. Ouais. 5G, voilà. 5G, je note. 5G, bah, j'ai bien fait de pas y aller. Alors maintenant, petite démonstration pour comprendre comment on peut subir une accélération sans que la vitesse augmente, mais simplement en changeant de direction. Cette locomotive, elle avance à une vitesse régulière, le personnage ne subit aucune accélération. La locomotive va changer de direction, elle prend un virage, le personnage tombe. Il était immobile et il est tombé. Il est donc entré en mouvement, il a donc subi une accélération, simplement en changeant de direction, en prenant un virage. C'est encore nous. Excuse-nous, vous faites passer. Non, mais vous pouvez pas aller faire vos acrobaties ailleurs. On s'entend plus ici. Alors je reprends. Quand un avion vire, ses occupants subissent une accélération verticale de la tête aux pieds. Le sang a tendance à partir dans la partie inférieure du corps. Du coup, le cerveau est moins irrigué et si ça dure trop longtemps, eh bien, on peut avoir des problèmes de vision. Et si ça dure vraiment trop longtemps, eh ben, on peut même tomber dans les pommes. Au fait, toi, Fred, ça va ? Rassure-toi, tout va bien, Jamy. Tout a été prévu puisque les pilotes, comme les navigateurs dans les avions de chasse, portent des pantalons anti-G comme celui que j'ai sur moi actuellement. Ce sont des pantalons gonflables qui sont branchés sur un accéléromètre et en fonction des accélérations de l'avion, ils compriment les jambes et le bas du ventre pour pouvoir renvoyer le sang vers la tête. Donc en principe avec ce type d'équipement, eh bien on peut quand même supporter quelque chose comme 7G sans problème. Voilà. Dans les nouveaux avions de chasse, les accélérations sont encore plus fortes, jusqu'à 9G. Alors là, le pantalon anti-G n'est pas suffisant pour maintenir le sang dans la tête. On a dû incliner le siège en arrière de 30 degrés. Le pilote se retrouve alors légèrement allongé. Résultat, dans les virages, il y a moins de sang qui s'échappe du cerveau vers les jambes. Malgré tout ça, les pilotes sont parfois victimes du voile gris. À ce moment-là, leur vision devient trouble. Ensuite, c'est le voile noir. Ils ne voient plus rien. Là, il faut vite arrêter les acrobaties avant de tomber dans les pommes. Mais l'avion a lui aussi ses limites. Au-delà de 10 G, son fuselage est tellement lourd qu'il risque de se tordre. Maintenant, on va aller faire un petit tour au centre d'essai en vol d'Istres, dans le sud de la France. C'est là-bas que sont testés les prototypes des tout derniers avions de chasse français par des pilotes d'essai qui, comme vous allez pouvoir le voir vous-même, ont le cœur bien accroché. Allez, Bibi, c'est bon, on prend la route pour Istres, c'est parti. Oula. Oh, d'accord. Là, c'est bien, là. Non, non,
ce n'est pas un accident, c'est un essai en vol, un test de chute en vrille. Le pilote fait volontairement tomber l'avion. Et si les ingénieurs ne se sont pas trompés dans leurs calculs, normalement, il suffit de lâcher le manche pour que l'avion se redresse tout seul. Ouf, essai réussi. Bon, ça c'est ce qu'on faisait dans les années 70. Aujourd'hui, les essais en vol sont un peu moins périlleux. C'est vrai qu'il y a, 40 ans peut-être, là le métier était très risqué parce qu'on montait dans un avion sans trop savoir comment ça allait se passer et on découvrait tout en vol. Maintenant, il reste des risques, faut pas le nier, mais en général ils sont bien maîtrisés, on approche très doucement les limites et on s'entoure de toutes les précautions nécessaires. Et puis les avions de chasse modernes sont équipés de commandes de vol électriques contrôlées par un calculateur qui assure la stabilité de l'avion et qui corrige même les erreurs de pilotage. Normalement, l'avion ne peut pas se mettre en vrille. Le pilote peut faire, entre guillemets, n'importe quoi, l'avion vole. Avec ces avions hyper manœuvrables, les pilotes inventent de nouvelles acrobaties. Les Russes font le Cobra avec leur Sukhoi 35. Pour manger le Cobra russe, le X-31 américain imite la mangouste en se dressant en l'air. Et le Mirage 2000 évalue et danse le rock'n'roll. Génial, Jamy! Génial! Par contre, je suis complètement épuisé. Tu fais ça tous les jours, toi? Maximum 3 fois par jour. Ah ouais, parce qu'au-delà, dis donc, c'est incroyable ce que tu supportes, hein. Ah oui, c'est fatigant, mais on entretient notre forme physique. Bon, t'as vu, là, juste à côté de nous, on a le dernier né des avions de chasse français. Ça, c'est le Rafale. Tu m'emmènes faire un tour ou pas? Là, ce sera avec plaisir, mais il est encore entre les mains des pilotes d'essai et puis il faut que je rentre à Tours avec mon Alpha Jet. Bon, allez, merci beaucoup, Capitaine Bissière, je te rends le casque. Ok. À bientôt, ciao. Au revoir. Avec un avion comme celui-ci, on passe à une toute autre échelle. Déjà, la poussée des deux moteurs est de 15 tonnes, c'est l'équivalent de 150 moteurs de Formule 1. Et puis surtout, le Rafale a l'avantage d'être un avion furtif. Concrètement, ça signifie qu'il peut échapper au contrôle radar, car soit il absorbe, soit il dévie une partie des ondes radar. Mais ça, je peux pas vous en dire plus. Chut. Bon, mais évidemment, toute cette technologie se paye très cher, car dites-vous bien qu'un seul modèle comme celui-ci coûte aux alentours de 300 millions de francs. T'imagines, Jamy, tout ce qu'on pourrait s'acheter comme camion? Alors sur ces avions-là, pour la vitesse, on ne parle pas en km/h, mais en Mach. Mach 1, c'est la vitesse de déplacement du son dans l'air, c'est-à-dire 340 mètres par seconde, ou environ 1200 km/h. Eh bien, le Rafale, lui, il peut voler à Mach 1,8, c'est-à-dire presque 2000 km/h. T'imagines, Jamy? Ça, c'est ce qu'on appelle franchir le mur du son. Quand un avion vole, que se passe-t-il? Eh bien, il bouscule de l'air tout autour de lui. Cet air se met en mouvement en formant des ronds. Exactement comme on fait des ronds dans l'eau en jetant une pièce. Dans l'air, ces ronds, ou plutôt ces ondes, se déplacent à 340 mètres par seconde, la vitesse du son. Alors tant que l'avion vole en dessous de cette vitesse, pas de problème, les ondes ont le temps de s'enfuir. Mais lorsque l'avion atteint la vitesse des ondes qu'il génère, alors là, il rattrape ces ondes et ces ondes font un mur devant lui. On appelle ça le mur du son parce que les ondes se déplacent à la vitesse du son. Et lorsque l'avion franchit ces ondes, lorsqu'il va plus vite que la vitesse du son, eh bien il se passe ce qui se passe avec un bateau qui va plus vite que les ondes qu'il génère. On a un bourrelet à l'avant du bateau, un bourrelet d'ailleurs qui est traîné par le bateau. Dans l'air, eh bien on a un bourrelet d'air à l'avant de l'avion qui est traîné par l'avion. On appelle ça une onde de choc. Fred! Oh non, jamais, cette fois-ci j'y suis pour rien, regarde! Je suis encore au sol, eh. C'est le Mirage 2000 là-haut! Mais pourquoi ça fait bang? Pourquoi ça fait bang? Eh bien, écoutez, quand je frappe des mains, je crée une surpression d'air qui fait vibrer mes tympans. Voilà pourquoi j'entends frapper des mains. Eh bien, l'onde de choc, la surpression créée par l'avion, a exactement le même effet sur nos tympans. Quand l'onde de choc franchit un personnage, il entend bang. Mais attention, il n'y a pas qu'un seul bang au moment où l'avion franchit le mur du son. Tant que l'avion vole au-dessus de la vitesse du son, il y a une onde de choc. Et chaque fois que l'onde de choc passe au-dessus d'un personnage, le personnage entend bang.
lorsqu'un avion de chasse vole à Mach 2, deux fois la vitesse du son, il va plus vite qu'une balle de fusil. Il se heurte alors au mur de la chaleur. Les frottements de l'air font chauffer le fuselage jusqu'à 150 degrés. Impossible d'aller plus vite, sinon l'avion risquerait de se déformer à cause de la dilatation. Pour voler à 3600 km/h, le SR-71 américain, lui, a un fuselage en titane capable de résister à une température de 420 degrés. Mais l'engin qui détient le record du monde de vitesse dans l'air, c'est le X-15, un avion-fusée avec un pilote à bord, lancé sous l'aile d'un Boeing. Il a volé à 7300 km/h. Alors évidemment, le cockpit d'un Rafale, ça n'a plus rien à voir avec celui d'un Alpha Jet. C'est bourré d'électronique et d'écran. Et surtout, pour aider le pilote, eh bien, on a inventé un nouveau système, ce que l'on appelle le viseur tête haute. C'est cette vitre qui est là. On voit à travers, mais en même temps, à l'intérieur, on voit plein d'informations qui concernent le vol. Par exemple, là, en haut, j'ai le cap 350. À droite, j'ai 1015. C'est la pression atmosphérique. Bref, avec tout ce système, le pilote peut piloter tranquillement avec les yeux fixés sur l'horizon ou sur une cible sans aucun problème. Avec ce viseur tête haute, le pilote peut même suivre à la trace un avion ennemi. Mais ce système ne sert pas qu'aux militaires, il est aussi installé dans certains avions de transport civil. Cela permet de guider le commandant de bord au décollage et à l'atterrissage par tous les temps. Et ça, Jamy, qu'est-ce que tu dis ? Je disais donc, ça, c'est le nouveau casque qui va avec ce nouvel avion. C'est une petite merveille de technologie. Par exemple, sur ma visière, j'ai des informations de vol qui arrivent un petit peu comme tout à l'heure. Je vous ai montré sur le viseur tête haute, sauf que cette fois-ci, les informations sont projetées par ce petit tube électronique. Et puis surtout, sur ma visière, j'ai un viseur qui me permet de pointer automatiquement les armes et les radars sur une cible avec un simple regard. Mais comment ça marche ? Mais c'est simple, Jamy. À l'intérieur de mon cockpit, il y a des capteurs qui vont relever la position exacte de mon casque à un moment donné, donc de mon visage. Ils vont transmettre toutes ces informations à un calculateur qui, lui, va faire le travail. 2-1, leaving frequency. C'est un peu un outil de dialogue entre l'avion et le pilote. Votre système va vous faire, par un système de flèches, vous inciter à tourner la tête pour aller voir quelque chose qu'il veut vous montrer. À l'inverse, ça vous permet à vous, pilote, d'aller désigner quelque chose à votre système en disant « please », c'est ça qu'il faut aller suivre. Attention, on va ponter. Regarde ça, Jamy, avec mon Rafale. Je vais me poser sur un porte-avions. Bah oui, parce qu'on développe aussi une version marine du Rafale pour les pilotes de l'aéronautique navale. L'aéronaval. Attention, oh là, oh, 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 le pont, oh là, oh, j'ai pas accroché. Bon, bah continue à t'entraîner sur ton simulateur et regarde un peu comment on fait un appontage sur un vrai porte-avions. T'as vu, Fred ? Fastoche, non ? Allez, c'est reparti, Jamy, cette fois pour un petit vol supersonique, tu vas nous entendre passer, hein. Bah, et nous ? Allez, Marcel, mets les gaz, on le suit. Ouais, bah Marcel, t'as intérêt à allumer la post-combustion si tu veux les rattraper. Allez, bon vol. Et s'il vous plaît, monsieur le pilote d'essai, ne le secouez pas trop fort. On a encore besoin de lui la semaine prochaine.